On a postulé pour ce voyage en se disant que c'était intéressant de comprendre comment eux fonctionnent, avoir un échange sur leurs pratiques. Je sais bien que le service administratif ont échangé ensemble, nous on a échangé avec les étudiants et les professeurs ont échangé entre eux pour avoir des idées de manière de collaborer ensemble, de bonnes pratiques. Et un prix diplôme qui a été lancé récemment. La mobilité à courte durée. Autour de ce projet-là, on a vraiment les enseignants qui apportent leur point de vue et puis nous aussi, on a eu l'occasion d'apporter notre point de vue et celui, j'espère, des étudiants. Donc c'est chouette parce qu'autour d'un projet commun, on a les relations qui se construisent de manière un peu plus informelle. C'est très intéressant d'avoir des échanges avec les universités francophones déjà et un petit peu autour étrangères sur leurs pratiques et leur mode de fonctionnement et surtout le système qui est très différent. On a eu l'occasion d'assister à un cours sur le travail et le genre en sociologie et on a pu voir que c'était des classes assez petites et donc il y avait beaucoup d'interactions entre la professeure et les étudiants. On est étudiant, on va au cours, on va aux examens, on va au TP, donc c'est assez institutionnalisé. Ici, ça reste toujours très institutionnalisé aussi, mais une partie beaucoup plus contact avec les professeurs qu'on n'a pas forcément en cours. C'est intéressant de voir un peu les différentes pratiques, leur manière de fonctionner. C'est une toute autre atmosphère, une autre manière de vivre, d'étudier. Et on sent beaucoup de différences du coup entre une grosse ville comme Paris ou une plus petite ville dans Louvain où tout est plus concentré. Les interactions sont un peu différentes et on n'a pas vraiment le sentiment d'être étudiant, on a plus le sentiment d'être passager dans une grande ville, alors qu'à Louvain-la-Neuve, il y a vraiment tout un système qui est mis en place avec tous les étudiants. Les facultés un peu partout réparties sur le campus. Quand on regarde Louvain-la-Neuve, on a vraiment la ville qui est construite autour de l'université. On a plusieurs bâtiments, on se balade entre les côtes à projets, les associations, les régionales. Alors qu'ici, c'est vraiment dans la ville et ils se retrouvent vraiment à un endroit central où tous les étudiants vont pouvoir travailler et vivre ensemble. On a vraiment échangé avec les autres étudiantes et les autres étudiants. Et on a pu un peu du coup savoir comment ils vivaient, savoir aussi quels étaient leurs objets de recherche et comment ils étaient du coup étudiants ici à Paris. Mais c'est vrai que c'était aussi intéressant de voir les différences, si on peut dire culturelles, entre les côtes, les associations, les baptêmes. On échange sur notre vie, notre parcours de vie aussi, on fait vraiment connaissance et c'est vraiment sympathique.